Nous sommes avec Jeannine Filogana, qui est une artiste peintre de notre région, plus exactement de Marchienne. On vous rencontre à l'occasion de l'exposition Place aux artistes qui se déroule sur le site de Monceau-Fontaine. Chouette petite exposition qui nous permet de découvrir votre talent, chère Jeannine. Vous avez... Vous, c'est l'acrylique. Non, c'est l'aquarelle. L'aquarelle. Uniquement l'aquarelle, oui. Alors, ce que vous aimez peindre, c'est vous êtes portraitiste. Ben en fait, oui. Je me rends compte que j'adore dessiner les portraits en aquarelle. J'aime l'expression du visage, j'aime les photos qui expriment quelque chose et j'aime les reproduire. Alors, votre style, vous avez des modèles ou alors vous vous basez sur des photos? C'est toujours par photo. Ce sont des demandes qu'on me fait ou des photos qui me plaisent. Et voilà, je laisse aller l'inspiration. Je crée l'aquarelle. Ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de la peinture? Disons que ça fait à peu près 4 ou 5 ans que je me lance tout doucement dans l'aquarelle. J'y ai pris goût petit à petit et voilà, comme je suis pensionnée, ben, j'aime ce que je fais. Vous avez suivi des formations peut-être ? Non, pas du tout. Non, c'est autodidacte, une vraie. Voilà, oui, c'est parce que j'aime le dessin et j'aime créer quelque chose, voilà. C'est comme ça. Est-ce que vous participez à beaucoup d'expositions ? Ben non, pas spécialement, mais je fais partie du troisième âge, de petit atelier de troisième âge. Et avec le troisième âge, nous avons une petite exposition de temps en temps qui est offerte par la ville. Et nous exposons tout ensemble avec mon atelier. Et ici, grâce à Anne, qui a décidé de nous réunir, tous les artistes, on ne se connaît pas, mais on a eu l'occasion de mettre chacun notre style à la disposition des gens, je veux dire, puisqu'ils puissent voir ce que nous faisons. Alors, il y a des collègues qui exposent comme ça. Qu'est-ce que vous aimez en particulier? Il y a des trucs qui vous accrochent à cette exposition? Ah, je crois que chaque chose a vraiment son charme. Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui m'accroche plus que d'autres, parce que chaque artiste a sa personnalité, et je trouve dans chaque artiste quelque chose qui me plaît. Et c'est sincère. Merci. Nous sommes avec Jacqueline Duhaut, qui est originaire de Jumet. On la rencontre à l'occasion de l'exposition Place aux artistes proposée par Anne Marescal. Alors, vous, Jacqueline, c'est quoi votre style ? Je n'ai pas de style proprement dit. Votre technique ? C'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle, mais je touche un peu à tout. J'essaye, je tente. Maintenant, je suis des cours chez Anne pour les portraits, parce que je n'étais pas très experte là-dedans. Et voilà. Mais je n'ai pas de... Ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de la peinture ? Non, j'ai toujours aimé dessiner, mais sans avoir de choses bien spéciales à faire. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas, j'étais pensionnée. Voilà, j'ai pris des cours d'aquarelle et ça me plaît beaucoup. Alors l'aquarelle, c'est une technique difficile ? Très difficile. Pourquoi ? Il faut dompter l'eau. C'est souvent elle qui nous dompte. Parfois, il y a des trucs qu'on rate. Oh oui, ça c'est sûr, hein. On ne réussit jamais tout du premier coup, il ne faut pas faire commencer plusieurs fois, mais bon, on s'accroche. Alors je vois, vous avez de très belles choses, hein. Notamment un loup là qui est pas mal du tout, le désert et puis aussi quelques portraits là derrière. Vous vous basez sur des photos ? Oui, c'était dans un magazine de mode, ça c'est un cours que je suis à Marchienne, à l'école industrielle de Marchienne, et c'est le premier portrait que j'ai réalisé. Vous participez à beaucoup d'expositions ? Ça arrive avec le groupe du troisième âge, entre autres, dont je fais partie le lundi avec Jeannine. On fait des expositions sûrement sur Marchienne. Jeannine, qui est une de vos collègues. Oui, beaucoup d'expos quand même au niveau du troisième âge, non ? Oui, beaucoup. On essaye, du moins. Alors, vous suivez des cours avec le troisième âge, c'est combien d'heures semaine ? Ça se passe comment ? Le troisième âge, nous, on a un atelier à Marchienne d'Aucherie le lundi après-midi. Et nous allons suivre un cours le mardi soir à l'école industrielle de Marchienne. Merci.